Weepy Moment. Bonjour, ici José Chouinard. Aïe aïe! Patiner, c'est pas facile, pour moi en tout cas. Mais j'ai un beau sourire et de beaux cheveux. Et quand je représente le Canada et que je vais me planter devant des millions de téléspectateurs, il faut que mes cheveux gardent leur sourire. C'est pourquoi j'utilise Prépus dans mes cheveux. Prépus s'est entraîné pendant des années afin de bien performer dans ma chevelure. Aïe aïe! Utilisez Prépus. Il ne vous laissera jamais tomber. Ne manquez pas José Chouinard lors de la tournée Étoile sur glace. Voici maintenant votre bulletin d'information. Poulet sourd. Québec. Jacques Parizeau et son épouse ont dévoilé leur cabinet formé de Jean Garon, Louis Jarel, Jean Campeau et Pauline Marois. C'est une décision mais ferme. Les services secrets canadiens ont espionné Prestone, Mannix. Mais Jean Chrétien a pris des mesures pour que plus jamais ça ne se reproduise. Face aux soupçons de dépenses au 24-6-6 drive, Mila Mulro n'a pas accusé réception Outaouais. La population aura son casino. Dans la domaine international, Suisse, des 10 cibles de l'ordre du temple Sol-Air ont été suicidé. Haïti. Les Américains ont établi un régime démocratique dans l'espoir que tout se règle. Bonsoir à l'approche chienne. C'est un rendez-vous. Moi, là, tu me feras jamais chauffer un char de moumoune. Non, madame. Parle-moi d'un char qui fait vroom-vroom quand tu y pèles sa suce. Pis qui crie quand tu y fous les breaks. Gabin. Ben là, c'est pas je t'ai arrêté, là. En tout cas, je me comprends. Mais en même temps, c'est important d'avoir une belle complicité avec son véhicule. Hein, mon pit? Son moteur puissant. Enfin, une voiture très, très, très agréable à déclocher. Non, je pars pas. J'ai pas fini.
La Golf vient dans des couleurs chaudes et humides. Des magouilles. Un volant en cuir génuine, toi chose. Puis un petit aileron dans le cul. J'allais oublier. Le bras de vitesse est très confortable. La Golf. Interdit aux mamères. Tiens, si c'est pas la demoiselle à la voix insupportable qui donne envie de se désabonner de la Mastercard. Hey, wow, y'a toi, Ben Van Mario, hey, wow, hey! Excellente répartie, vous écrivez vos textes vous-même. Disons que c'est récent depuis que j'ai cassé mon crayon, tchic-tchic. Hi. Oh, un instant, je termine avec la fatigante qui joue mal et je suis à vous. Ah, t'as ouï-tu, hey, allume-moi, hey! Oh là là, Claudia et Cindy séchées, madame est une master tarte. Check, check, les grelures, hey, wow, hey, ouais, je le dis, tu réponds, mais dis, c'est assez énervant, oui! Aucune annonce, t'as plus sur les nerfs que Mastercard. Ni Visa, ni American Express. Moi, là, s'il y a une chose que j'haïs, c'est bien la politique internationale, les articles de fond, puis les analyses. Ben, ça tombe bien. Dans le Journal de Montréal, t'en as pas. Le Journal de Montréal, on n'a pas. Chaque année au Québec, les accidents de char font pleurer tout plein de gens pas habitués de brailler. Maman! Pourquoi j'ai fait ça? Une décapotable flambante! Full équipe! Faut qu'on prenne une par elle! Scraper son char, c'est triste. Un message de la Régie de l'assurance automobile du Québec. Moi, là, supposons qu'il y a un accident de machine, puis un gars qui s'est fait écrapou. Ben moi, je veux voir les photos de l'écrapou. Je m'en sac du texte. Le Journal de Montréal. Nous autres aussi, on s'en sac du texte. Contient de l'écrapou. Ah, la nature. Ça fait du bien de se retrouver seul sur une île avec 10 000 mouches noires et un bon bol de Hallebrand. Hallebrand facilite la régularité, c'est-à-dire qu'il permet régulièrement de... Pardonnez-moi, je reviens tout de suite. Hallebrand goûte méchant, donc c'est bon pour la santé. Ces petits grains ressemblent étrangement à de la litière à chat. Même mon chat s'y trompe. L'autre jour, j'ai laissé la boîte ouverte et je me suis retrouvé avec des Raisin Bran. Oh, excusez-moi! Un bon bol de Hallebrand constitue une excellente source de Hall, de Bran et de Bol. D'ailleurs, j'en suis à mon quatrième aujourd'hui et laissez-moi vous dire que... Oh! Parlons maintenant de la pollution de nos lacs. L'absence de fosses septiques cause des torts irréparables à l'environnement. Et je... Les Hallebrand de Kellogg, à l'écoute de la nature... Ouh, pardonnez-moi. Désolé, mais je vais avoir besoin de la boîte de carton. Thank you.
Victor, puissent les flots de Jerniguan prédisposer les autorités constabulaires vers l'insolubilité du drame qui hante nos antériorités. Ce maudit interurbain Blondeau. Comme j'aimerais extraire ces abattis par la seule traction de mes phalanges exsangues. Et plénipotentiaire. Laisse ces fratricides exécutions à tes subalternes, Xénophon Croteau, Pollux Morin et Ajax Labrosse. Je vais plutôt penser à Banjo Henry, Accordéon Gaétan et Gazou Roger. Quant à moi, je peux compter sur mes filles, Clamédiane, Tampaxine et... Et sécrétion vaginalienne. Oui, pénétrer en mon antre de la perdition. Madame Muslix, j'ai quelque chose de très important à vous raconter. Qu'est-ce qu'il y a, Uri? C'est l'histoire d'un gars qui en avait une de 14 pouces. Tu comprends bien, mon Léo? Fait que là, le docteur répond à sa belle-mère... Uri, interromps ces divagations qui surgissent de ta glotte rongée par l'éthylisme. Excusez-moi, mais c'est moi qui est supposé parler en anglais ici. En passant, Victor, sais-tu pourquoi tu réponds jamais quand je t'appelle la nuit? Parce que Victor, t'es au lit. Victor, t'es au lit. Tu comprends bien, mon Léo? Oui, introduisez-vous en ce directoire de Lupanar. Ah, mère, me voici, haletant et fiévreux, les yeux hors des orbites, par la violence des convulsions de mon pas-ventre. Édredon, mon fils, n'es-tu pas supposé demeurer sous le chaperonnage du chanoine Paillasson? Oui, mais Roxette Blondeau s'est infiltrée sous ma soutane pour me susurrer le secret de mes origines et d'exaltation. Me voici devant vous, ma mère. Prends cette pompe à asthme. Ah, merci, ma mère, merci. Intensité dramatique. Il a bien l'accent allemand. Mieux que toi, l'anglais. Édredon, il est temps pour moi de te révéler les prémices de ton destin. J'avais 8 ans lorsque Gigel Schmitt abusa de moi sur la bosse de Le Poire. Pendant que Gabriel Gascon me flagellait sous les cris d'excitation d'Edgar Fruitier. Alors que Juliette Huot et Yves Desgagnés divorçaient, Jean-Louis Millette se produisait dans les clubs comme travesti sous les traits de Marie Tifaut. Risquer une enjambée, on se repère de la pipe à Saint-Piastre. Henri, je vois du rouge! Du rouge! Oh non! Pas elle! Du rouge-gorge, rouge à lèvres, art rouge, rouge! Rouge, comme Johnny Rougeau, Henri se voit du rouge! Si tu fermes pas ta gueule, c'est moi qui vais voir rouge! Mère, vous le couvoir de mes primes hormones, je vous en conjure, qui est mon géniteur? Le voici. Oui, c'est moi, Xavier Galarno. Moi, je dirais l'affaire. Quand ta mère est au bordel à trois pistoles, puis que je t'ai tanné de corollage humain, c'est elle qui soulage mon tourment. Non. Voyez, oh, Dredon, au pied! Que reste-t-il de nos amours? Henri, se rit jaune! Aïe, la toupie! Jaune! Aïe. Rouge! Aïe. Rouge ou jaune? Rouge ou jaune? Jaune! 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 Monsieur Beaulieu, c'est l'heure de votre douche froide et de vos électrochocs.
Hey, non, mais boss, l'hiver, il y a quoi, on va faire la selle sans bon sang de char de Hans de Gadon, aussi, un Listerine à 6,340 aussi. Ça suit la rire, alors, si fly d'une crampon, dans l'asphalte, aussi, pour l'heure, il bouge moins ça, rapport avec le différentiel. Exia, 6 mois de chenoute à batterie, 3 fils, aussi, ouais, faut venir coller la job à Primo direct dans le windshield, aussi, la craque à cause de la flèche à 50 en bas de zéro. Boss. Vidéo, un peu jamais, si le gars ça Skype, c'est une histoire, je donne sa patate à bonne neige, je soigne plus sa transmission. Boss. Yeah, bio, ils sont corrects, c'est putain de mancheur, règleur, la chenouille en balagne, c'est... moi je te le dis comme je te le dis, boss. Chez Leblot, on dégèle les vitres d'auto, mais on dégèle pas les gueules. Eh ben, j'espère bien, parce que dégèle le char, c'est une gadon, c'est d'ancienne larette, c'est de cuillère à la grande manche, ça veut dire, nerdique à batterie de roue motrice, c'est... moi, on n'y comprend rien, puis c'est bien mieux de main pour tout le monde, c'est 50 000 direct, n'est pas chez la caisse pop, boss. L-B-O-F-D-O. Hey Jean-Marc, paraît que tu vas danser avec Marie ce soir? Hey, mais hein, c'est pour ça que je me suis acheté des nouvelles culottes de jogging. Ouais, trop nerveux? Hey, pourvu que j'arrête de boutonner, sec-moi le casseau de fraise. Tu te laves pas avec Clérabille tous les jours, toi? Me laver? Qu'est-ce que tu fais pour tes boutons? Ben, je mets du poté. Du poté. C'est bon, les autos, ça. Ta face, c'est autre chose. Voici la figure de Jean-Marc sans Clérabille. Et la voici, une fois qu'il a employé Clérabille répulsion faciale. Bon, c'est pas un bon exemple, là, mais d'habitude, ça marche. Viens-t'en dans mon Winnebago, tu vas tout te lisser la face. Hey, lâche-moi une grosse face en stucco. Pourtant, j'ai mis du Clérabille. Perdez la face avec Clérabille. Oh, les filles, sont donc bien stock-up. Un vrai épicier sait bien que la vie continue. Métro, profession épicier. La politique provinciale. Chaque semaine, la SRC offre du temps d'antenne à nos politiques ailleurs. Aujourd'hui, vous entendrez le ministre de l'Éducation, l'honorable Jean Garon. Mazan, honorable, honorable. Ça n'a pas d'allure, mesdames, messieurs, comment que c'est que nos jeunes sont éduqués. Ils reviennent à la maison avec le bulletin, c'est plus des chiffres, c'est des lettres. Moi, dans mon temps, en bas de 80, c'était la strap. C'est ça qui manque, mesdames, messieurs, dans nos cégeps. La strap, bout de vierge. Tu foques un cours, la strap. Tu remets ton travail en retard, la strap. Faut arrêter de dorloter nos jeunes, on va en faire des féfis. Un féfi, la strap. Non, ça, c'est pas un bon exemple, il y en a qui aiment ça. Faut arrêter de donner du lait puis des fruits à nos jeunes, mesdames, messieurs. Ça les ramollit. À partir de dorénavant, à chaque récréation, ça va être une beurrée de graisse de rôti. Ça fait un fond jusqu'au souper, ça empêche de pogner des verres. Nos jeunes font des fautes, mesdames, messieurs. Des fautes gros comme le gras. On croirait qu'ils ont désappris. Moi, là, une faute, c'est 10 minutes dans le coin. 2 fautes, un coup de dictionnaire sur la tête. 3 fautes, ah ouais, en punition avec les cochons. Ça va faire le niaisage. Vous avez entendu l'honorable Jean Garon. Garon, toi avec, tu vas à la strap. Bonjour, ici Vincent Champousse pour vous parler de Danfous. Vincent Danfous pour vous parler de shampoo. Quand je m'exprime devant les clamédias de télévision et les millions de dollars qui me regardent, mes cheveux se doivent d'être impeignables, impeccables. Les testicules sur mes épaulettes, il n'y en est pas question. Non, Gilles. Pour les éliminer des séries, il existe un shampoo qui embraye les testicules, les pellicules. Il donne une belle appartenance à ma brosse de bol. Quand il faut avoir des cheveux sur la tête et une tête sur les épaules, alors j'emploie Head on Shoulder. Il contient des ballons qui détruisent les saletés de mon cuivre chevelu et le rendent frustré et brillant. Caméra 2, Vincent Danfous, on tourne! Je peux pas toujours avoir une tête en dessous de mon casque. Head on Shoulders tous les jours. Ça m'aide à scorer. Oui, Gilles. 10% mon coton.
Ça, là, c'est un journal de Montréal. Ça, c'est un gros Pepsi. Ça, c'est une boîte de Joe Louis. Puis ça, c'est un petit chip au vinaigre. Krish, je suis bien. Le journal de Montréal. Krish, je suis bien. Mesdames et messieurs, le retour de Beau Dommage. Merci, Michel, c'est grâce à toi. Merci, Michel. Je me sentais coupable d'avoir réussi, d'avoir plus de succès que mes anciens amis. De tous ces trophées sur ma cheminée, alors que les autres mangeaient du ballonné. De mes poubelles, j'ai ressorti Marie, Michel, Pierre, Bertrand aussi, puis les trois autres qu'on sait même plus c'est qui. Merci Michel. Dans les poubelles, ils vont retourner quand on aura vendu notre CD et que leurs dettes seront remboursées. Merci Michel. Merci, merci. De rien. De rien. De rien. De rien. De rien. Après avoir créé vêtements et parfums, Paco Rabanne utilise un autre moyen de création, l'écriture. Il est l'invité d'Ariane Cordeau à Perfecto, samedi, 16h. Après la pause, Clémence Desrochers, Claude Léveillé et André Gagnon montent sur la scène des Francofolies de Montréal.